Kevin, c'est ton futur qui t'écrit une lettre. J'ai pas eu le choix, force de voir la qualité de tes vidéos en déclin. Les gens le remarquent. Tu peux changer le monde. Y'a rien de plus facile, au fond. Pour changer le monde, tout ce que t'as à faire, c'est rester toi-même. Les influencer. Il est temps que tu lèves la coche. Il est temps que tu mettes des efforts. Il y en a pas mal qui croient en toi. Je pense pas que où est-ce que t'es situé, tu y crois vraiment fondamentalement ton nom. Sur ça, prise de conscience est inévitable. Parce que t'auras fini cette lettre. Va où est-ce que tu sais que tu dois aller. Au revoir et à bientôt. Un sujet que je reçois beaucoup, c'est parle de l'infidélité. Kev parle de l'infidélité, je viens de me faire briser le cœur, parle de l'infidélité. Fait que comment je pourrais élaborer sur le sujet? Ben, qu'est-ce qui arrive si ton ex infidèle, tu te dénonces sur Facebook? Tu sais, si t'écris son prénom, son nom de famille, son adresse, son numéro de téléphone, ça pourrait être très drôle. Pis en même temps, comme ça, ben, on saurait lesquels produits qui sont pas bons. Mais en même temps, t'es à blâmer, toi aussi. Parce que quelqu'un qui boit du poison, parce qu'il dit, ah, si j'aime la couleur, il y a une tag de mort en arrière, mais ça a tellement une belle couleur. À un moment donné, il reste, tu sais, je veux dire, ne pose jamais tes lèvres sur le pénis d'un garçon avant d'avoir mémorisé son nom de famille. Tu mises sur une copie conforme de ta vedette hollywoodienne favorite. C'est tout. Pis 6 lignes ici, pis pour toi, c'est un doctorat. Dans ce segment-là, j'aimerais ça m'adresser aux infidèles encore anonymes. Pourquoi faire un cheminement, pis des histoires, des personnages, des mises en scène, des costumes, pis des... Arrête! T'es rendu là, tu perds la carte, t'sais. Moi, je veux juste sexe, tu vas en trouver. Puis en plus, ça sera pas des jeunes filles hypersensibles ou des garçons super gentils que tu vas tomber là, puis tu vas blesser. Non, ça risque d'être des gothiques nymphomanes. Jackpot! Dans la vie, il faut s'affirmer. Si toi, tu c'est tout? Juste ça? Et tu te dis, come on, gang, il est temps d'être honnête. Sinon, c'est quoi? C'est quoi la vie, hein? Si la personne que t'es avec n'est pas capable de te faire jouir par la pensée, ben, si c'est pas la bonne personne, je vais trop loin. Sur ça, c'était ce que je pensais. L'infidélité, dans le fond. Mais soyez donc direct, hein. Vous êtes un infidèle, y'a pas encore de remède. Fait que ce que vous faites, vous mettez vos cartes sur la table et vous arrêtez de mentir aux gens. Sur ça, je m'appelle Kevin Nenteco. En espérant. En espérant que vous avez trouvé que je suis. Et sur ça. Mon pété mon horloge. En fond, la morale est super simple. Assez honte d'être franc. Puis même si t'es un trou de cul qui regarde cette vidéo-là, un esti de déchet, je te dis reste un déchet. Mais au moins, assume-toi et arrête d'agir dans le silence pour blesser les autres. Merci. Ben tu sais, je veux dire, les vidéos en général, ils se diffusent pas de cette manière-là. Là, vous devez vous demander pourquoi la victime va toujours prendre une personnalité publique québécoise que, oui, vous pouvez choisir en écrivant dans mon inbox. Pour cet épisode, j'ai décidé de choisir Mike Ward. Pourquoi Mike Ward? Ben, je sais pas si vous le saviez, mais Mike Ward récemment a fait un shout-out aux impopulaires. Il a fait un statut qui a dit qu'il aimait les impopulaires. Fait que c'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi pour cet épisode-là. Sur ce, aujourd'hui, on piège Mike Ward, puis j'ai une idée très spéciale. Mike Ward, récemment, il a commencé des podcasts. Ça, c'est sur Skype. Il enregistre ça, il fait des interviews avec des humoristes. Et je me suis dit, ça serait drôle si vous alliez écrire dans sa page Facebook, tu devrais avoir Kevin Nteka dans ton prochain podcast. Puis, je vous promets de perdre la carte solide. J'aurai pas de retenue, là. Moi, le faire rire en sacrement. Vous pouvez, je vais être drôle. Sur ce, avec des lunettes de fantasme, si vous avez écouté Kevin Nteka, on se revoit la semaine prochaine.